Salut à tous les Simmers, c'est Greg de Sinkoki et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les Sims 4 Visitaline. Je suis très impatient de découvrir, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pu tester de nouvelles choses pour les Sims. Aujourd'hui c'est une occasion spéciale car le jeu n'est pas encore sorti en France. Il sortira le 3 novembre prochain. Donc je remercie énormément Electronic Arts de nous avoir offert un accès pour tester le jeu. Etienne a eu l'occasion de pouvoir le tester le 6 octobre dernier à Paris. Vous pouvez dès à présent lire ses impressions et son aperçu sur sinkoki.com. Et nous allons le découvrir en vidéo. Donc, on y va. Déjà maintenant, on va commencer dans le casse. A tout de suite. Et ça y est, nous sommes arrivés dans le casse pour découvrir toutes les nouveautés d'événements. Du coup, on va trier par le pacte. Ça va être plus simple et plus rapide. Vie citadine. Seulement. Alors là, on a cliqué sur. Je vais mettre partout aussi. Dun, 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 dun. Contenu. Pack. Visitadine. Alors, on va regarder les hauts disponibles. Plusieurs coloris aussi. Il avait annoncé qu'il y aurait beaucoup de motifs. Alors, j'aime pas beaucoup, mais. Il y a d'autres tenues. Très court, ça. C'est pas avec le vent, avec le froid qui fait qu'on va porter ça en vrai. Hein. Waouh. Mmh. Ouais. Ça. Ah, j'aime ça. C'est beau. Plusieurs colonnes. Oh, celui-là aussi. Magnifique. Oh, ils ont vraiment mis beaucoup de coloris. Il y a plus de sélection de couleurs. Avant, il n'y avait pas autant que ça. Oh, ça fait assez hippie. Ça irait bien avec le thème du pack des Sims 4 comme au cinéma. Waouh. Cute. Non, j'aime pas là. Trop carré. Ça va. Ça fait assez strict. Oh, attends. Il y a pire, je crois. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ah, ça c'est bien. Je vous rappelle que tous les Sims peuvent porter tous les nouveaux vêtements disponibles. Tous les vêtements sont unisex. Eh oui, c'est chez les Sims. C'est cool ça. Ouais. Ah, ça j'aime bien ça. Oh, ils ont mieux fait niveau détail. Hein. Dommage. Mais ça reste cute quand même. Oh. C'est cute ça. Ça j'aime bien. On a tout fait. Pour le haut. Maintenant pour le corps. Ouh là là. Ça c'est cute. Oh, je sais pas combien de fois je vais dire le mot cute. Mais ça c'est vraiment cute, 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 cute. Oh chat ou chien. Bon, est-ce analyse pour les animaux? Ah, ça c'est beau. Puis les détails. Oh, attendez ça. C'est magnifique. Plus disponible différents coloris. Aussi bien. Waouh. Oh, j'aime beaucoup les tenues. Combinaisons là. Oh, c'est beau, attends. C'est ça que je veux faire, quoi. Je suis pas sûr qu'en vrai, on se baladerait avec des sushis sur une robe. Non, non. Les tenues sont vraiment classe. Je suis un peu moins fan des tenues toutes seules, mais les tenues combi, tout ça. Waouh.
corps entier, ouais, c'est ça. J'appelle ça combine. Oh mon dieu, c'est beau ça aussi. Fantastique ça. Ils ont fait un beau travail sur les tenues. Beaucoup de motifs, c'est ce qu'on va retenir aussi, je crois. Waouh. Nouvelle robe. Non, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Waouh. Ça, c'est beau aussi. On va survoler un peu toutes les retextures. Là. C'est joli ça. Oh, le détail aussi. Cute. C'est un peu trop vite. Waouh. Oh, c'est beau. Non, non, c'est vraiment beau, sérieux. Je sais pas quelle tenue je devrais choisir pour mon site. Mes Sims, plutôt. Hop. Oh non. Oh non, c'est pas beau, ça. Ça fait Zelda. Non, pas Zelda, Xena et guerrière. Ça, c'est simple. Déjà vu. Le détail, c'est en relief. Ça va. Pas beau, c'est pas moche, c'est pas moche. C'est neutre. Oh, des tabliers. Pour les restaurants. Cool. Ah. Le fameux costume de raccoon. Excellent. Oh, regardez, même les yeux, c'est bien fait, les dents. Oh, ça donne envie de le caresser. Bon, on arrête là. Ensuite, il y a le panda aussi. Oh, il est pas beau comme ça. Et la tenue de Super Lama. Non. Ah si. Ça ressemble à la tenue qu'on débloque lorsque on a le pack, le kit, les Sims 4 accessoires effrayants. Lorsque vous réussissez la fête d'Halloween. Ah, c'est similaire. Pantalon. On a du choix, si. Ouh. Oh, ça fait... Bah merde, c'était... Ah, c'est celui-là. Ça fait peau de crocodile. Oh, ils ont mieux fait niveau détail quand même. Je boude. Non, je rigole. Plein de choses encore à découvrir. Déjà, les tenues sont magnifiques. Les motifs utilisés. Ça va enfin renouveler un peu les garde-robes des Sims qui se créent automatiquement. Quand ils ont les bonnes tenues qu'il faut, bien sûr. Non, non, ils ont fait un très beau travail, les créateurs, sur ça. On le casse en général, moi ça m'intéresse pas plus que ça, mais j'aime bien explorer les nouvelles tenues à venir. Enfin, qui viennent, plutôt, là, pour le coup. Moi c'est beau, ça fait trop carré. Mais ça se doit se bien sourire avec un truc. Oh! Tenue aléatoire, mais parfait. Niveau chaussures, qu'est-ce qu'on a? Ah. Cool! Sympa ça. Ah oui, plusieurs motifs. Nouvelle botte. Oh, nouvelle chaussure plate aussi. Oh, les bottes c'est similaire, c'est souvent la même chose. Oh, cute. C'est bien détaillé en plus. Plusieurs motifs aussi. Là aussi. Et là aussi. Niveau accessoires. Oh, pas de nouveaux accessoires. C'est quoi là? Les coiffures. Passons à ça. Hop. Pack. Pistolet. J'espère qu'il y en a plein. Ouais. Oh ça. Oh, elle est tellement mieux détaillée que la première qui existe déjà dans le jeu. Beau.
Oh, c'est beau. Oh, excusez-moi, j'ai un petit bug là. Ah, celle-là est magnifique aussi. Disponible dans tous les coloris. Ah, plus court, hein, celle-là. Façon de déjà vu. Ah, j'aime bien. Oh, cheveux courts. Ah, oh, c'est beau aussi, ça. Très jolie, celle-là. Oh, reste là. Doudoudoudou. Accessoires. Alors là, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. C'est vraiment comme toutes les cultures. C'est un beau travail des développeurs. Waouh. Simple, mais magnifique. Waouh. Ah, une nouvelle casquette aussi. Et le costume qui va avec le lama. Oh, une nouvelle musique de fond. Je vais te dire, mais tais-toi, Craig, on va écouter. Ouais, je me tais un petit peu. On va aller chez les enfants. Oh, ils ont pas de nouvelle tenue, nouvelle coiffure. Mais au moins ils ont deux accessoires. Plusieurs coloris. Et elle aussi. Ah, je crois que c'est mon préféré pour les enfants. Regardez-moi le détail, c'est beau. Pour les tenues. Ah, excusez-moi, je viens de décrocher ma souris, vous allez l'entendre, c'est sûr. J'imagine que les garçons aussi vont avoir la même chose à peu près. C'est assez mixte. Elle est trop belle la musique de fond. Accessoire. Enlever ça. Nouveau legging. Voilà, c'est tout pour les enfants. Je sais, il n'y a pas grand chose. Au revoir, deuxième kit avec les enfants. Si vous nous écoutez, on voudra un autre kit avec plein de tenues pour enfants encore. J'oublie les t-shirts? Non. On va voir chez les garçons. C'est sûr que c'est quasiment la même chose, ouais, vous voyez. Hop. Pas grand chose. Hein. Back. Ouais, c'est la même chose. J'ai un t-shirt là. La seule tenue. Quoi tu... Oh. Là où les Sims vont être encore plus uniques avec toutes ces nouvelles tenues magnifiques. Magnifiques. Voilà. Pas la grandir.
Mal. Chambasitio. Basitio. Voilà, et du voilà. Différents coloris, motifs aussi. Ouais, les détails, les boutons d'habitude, c'est mieux fait que ça. Enfin, des looks qui peuvent peut-être rendre un peu plus ados nos ados. Un peu plus jeunes. Oh, c'est pas beau ça. Enfin, il en faut pour tous les styles et pour tous les goûts, bien sûr. Ah, oh, j'aime bien ça. C'est cool. Beaucoup de nouvelles vestes. Ce serait bien encore mieux avec les saisons. Je sais pas si j'aime ou si je déteste. C'est mitigé, on va dire. Il y a plusieurs motifs aussi. Les couleurs unies. Ah, il n'y a même pas de couleurs unies. Ça, c'est sympa. Pétant. Ah, un petit haut comme ça. Ah, c'est beau. Ah, ça, c'est jeune. Il manque plus que le bowling. Non, oui, on veut le bowling aussi. Mais il n'y est pas dans les Sims 4 vite. Si ça peut plaquer. Oui, toi aussi, tu n'arrives pas. Waouh. Oh, trop cool le t-shirt. Original. Ah, ça y est, ça aurait pu le faire en collier. Voilà pour les tenues. On n'a pas fini encore. Enfin, je vais pas tous les survoler, mais on va pas faire 30 minutes de casse. Parce qu'il faut bien vous laisser la surprise aussi. J'ai surtout hâte d'aller dans le jeu là. Voilà, c'est cool. Un tablier encore. Bien pour les restaurants. Et ça on l'a vu. Et ça on l'a vu. Et comme je vous dis, c'est similaire vraiment à ce qu'on a dans les Sims 4 accessoires effrayants. Quand vous débloquez la fête. Quand vous avez l'or à la fête. Voilà. Coiffure. Ah, il y a l'air d'avoir des nouvelles choses. Non. C'est cool, ça. Non, c'est pas son nez. Il n'y a pas de nouvelles parpes. Ah, si. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai cliqué trop vite? Elle est là. Nouvelle barbe. Nouveaux accessoires aussi. C'est les mêmes que tout à l'heure. Et le casque. Voilà. Nouveau collier. Mais on va pas le voir avec cette tenue là. Oui. Ah, il est beau ce collier là. Nouvelle boutonnerie, non. Et là. Je sais même pas avec Visitadine. C'est pas grave. Et voilà. Nous avons fait le tour des nouveautés dans le casque du coup. On va juste les billets avec Visitadine pour voir. Hop. Doum. Voilà, c'est cool. Est-ce qu'il y a des nouveaux traits? Froid.
Si, si, vous avez entendu, à proximité des Sims sont joueurs, ils sont rarement joueurs eux-mêmes. Il est difficile pour eux d'être romantiques en public. Non. Aime la musique amateur, geek, on les a déjà. Adore la nature, ambitieux, crasseux, délicat, glouton, végétarien. Cool. C'est sûr, c'est vite activement de manger de la nourriture contenant de la viande et peuvent être malades si cela arrive. On testera dans notre partie. Et je crois que c'est les deux seuls traits qui viennent avec les Sims 4 Vie Citadine. Hop. Pas de nouvelles démarches ou quoi que ce soit. Hein. Donc, voilà, nous avons fait le tour des nouveautés dans l'outil créer un Sim. J'espère que ça vous a plu. On va arriver tout droit dans le jeu dans quelques minutes. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo où on visitera les appartements. J'ai très hâte. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur les Sims 4, la visite d'Erdine. Merci une nouvelle fois à Electronic Arts de nous avoir autorisé, enfin nous avoir laissé un accès au jeu en avant-première. Nous sommes ravis. Merci beaucoup. On se voit dans une prochaine vidéo sur les Sims 4, visite d'Erdine. Bonne soirée les Simmers.